Rendez-vous info. Et oui, c'est Rendez-vous Info qui est entré la caillou. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 mai 2024. Un plaisir, on le fait encore pour ensemble pour nous présenter au programme ça dans langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui est dans Grand Point, Cap Dominé Actualité. Travail, conseil présidentiel transition, à l'état-major police nationale, là, dans le moment gang armé continue à semer la terre dans la capitale. Président Kenya William Ruto trouvé dans Washington, dans le cadre d'un viréron aux États-Unis, dans le moment Kenya apparaît pour prendre tête une mission multinationale en Haïti. Et puis, concernant l'actualité dans la région Moyen-Orient, Irlande, Norvège et Espagne annoncé chaque y a reconnaître la Palestine comme un état membre dans le cadre d'une solution deux États Israël-Palestine. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, mais nous allons d'abord dans le pays d'Haïti, côté te gagne une séance de travail entre conseil présidentiel transition et l'état-major police nationale dans le moment gang armé continue à semer l'intérêt dans la capitale là. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Conseil présidentiel transition a organisé une séance de travail avec haut état-major police nationale d'Haïti pendant journée mardi 21 mai 2024 là. Rencontre ça te gain pour objectif discuter opérationnalisation mission multinationale appui à sécurité résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies créé. Pendant échange, décision prend pour police nationale d'Haïti diriger opération sous terrain. Il a chargé tout pour composer troupio objectif règles engagement à contrôle sanitaire toute activité ça a coordonné et supervisé bon côté autorité police haïtienne selon conseil présidentiel semaine qui s'est passée là CPTA t'a organisé une rencontre avec chef bureau intégré Nations Unies et représentante secrétaire général Nations Unies Maria Réunion travaille ça, te chita sous résolution 2699 Conseil sécurité qui autorisait déploiement mission multinationale soutien à sécurité dans le pays d'Haïti. Edgar Leblanc fils, actuel président Conseil présidentiel transition, déclaré et n'a pas cité, nous-mêmes dans le conseil là, nous clair, sécurité population, c'est priorité nous, et faut que malfrayo récolte ça aussi mais. Fin citation. N'a pas souligné, gagne une délégation kenyane qui arrivait dans Port-au-Prince lundi 20 mai. Dans l'idée pour préparer déploiement mission multinationale là membre délégation doit rencontrer responsable bureau intégré Nations Unies en Haïti avec responsable police nationale d'Haïti mission multinationale là ta doit déployer dans pays d'Haïti dans fin mois mai malgré diverses avancées qui fait dans mise en place force multinationale là gang yo pas décidé baisser les armes on c'est Yves Manuel de Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis pendant ce temps, les bandits armés dans Croix-des-Bouquets et dans plusieurs autres zones, dans zone métropolitaine Port-au-Prince, là, continuent à s'immer l'intérêt, côté qu'il y a crasé même l'infrastructure, la police. Renan Toussaint, gagne un détail sur question ça. Dans le moment, les États-Unis intensifient si Paul en termes d'équipement vis-à-vis police nationale haïtienne pour plus bien faire face carré à bande criminelle qui prend le pays d'Haïti en otage là. Eh bien, bandi yo vle démontrer yo pa peur, yo pa fè bac, puisque nan soirée mardi 22 pour l'ouvri mercredi 23 mai 2024 ça, moun l'état haïtien poko identifié goulé sous commissariat police Matissan. Pendant journée mardi 22 mai 2024 là, nek armé crasé sous commissariat police Corail Cisles qui nan commune Croix-des-Bouquets. D'après yon source policière, présumé bandi yo t'es tiré un pile coup d'armes automatique nan moment yo tap menen opération ce qui t'est paralysé activité scolaire yo qui commençait reprendre nan différents endroits nan même journée hier bandi armé t'est pillé plusieurs entreprises nan zone quoi des missions ak Santo pour citer ça seulement weekend passé bande armé yo t'est déjà crasé commissariat police cabaret ak quoi des bouquets. Ou commandement PNH là, Bako Depal, dit y a travail sérieusement pour capable mettre bandio hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, n'a pas entré dans diaspora haïtienne, surtout dans ici aux États-Unis, côté que leader communauté ak religieux dans communauté haïtienne dans Brooklyn, New York, planifié pour organiser une vigile ak rassemblement en collaboration avec révérend Al Chapton pour supporter force multinationale MSS là qui pourrait rentrer très bientôt en Haïti pour supporter police nationale là dans combat dans lutte contre gang. Valérie Saint-Louis depuis New York.
Pendant que force multinationale là qui gagne à la tête, le pays Kenya déjà sous place en Haïti pour implémenter support à la police nationale là pour couper insécurité et combattre contre gang yo. Dans la communauté haïtienne en diaspora, grand pile réaction qui a tombé. Dans Brooklyn, New York, côté que nous rencontrons avec plusieurs leaders religieux, leaders communautaires qui mettent tête ensemble puis organiser un vigile le jeudi 30 mai ça dans l'église évangélique Crusade Christian Church. Côté que ensemble avec Reverend Al Sharpton, jeudi 30 mai ça, nous t'ai rencontré avec leader ça qui a lancé invitation à la communauté haïtienne. Nous gagnons docteur Compa avec nous, Mona Lisa, docteur Marcel et pasteur Leslie Thomas, nous tous les trois, nous tous les cinq nous là et pour nous capables faire communauté à connaître que nous avons un grand à Coquen chaîne rassemblement à fête et jeudi 30 mai à 7h du soir avec le révérend docteur Al Sharpton. Al Sharpton est comme nous connaissons, c'est d'abord un ami communautaire ici. Nous faisons un peu de travail avec lui depuis des années, plus de 20 ans. Et en plus de ça, il a monsieur grand pile contact au niveau de l'administration américaine, en particulier au niveau de l'exécutif. Il y a une nécessité dans la situation, dans la crise que nous avons passée, que nous avons une réponse extrêmement rapide sous la crise terrible que Haïti a traversée, en particulier la question de sécurité. Et nous connaissons ce qui est passé, donc il était nécessaire dans la vision par nous que le plus rapidement possible, nous jouons aide dans l'administration américaine pour aider nous résoudre la question de sécurité, sous quelque soit forme que nous pensons qu'il était possible. Et puis, il y a une nécessité pour nous voir dans quelle mesure, dans le même temps, que nous adresser les problèmes communautaires haïtiennes dans Boïsit, en particulier, suspendre le fait que le gouvernement américain a continué à voir haïtiens tourner en Haïti. Le problème d'insécurité qui a censé causer un pile haïtien, tu as voulu être la caillou, tu as voulu stabiliser la caillou avec la famille, mais tu as trouvé dans le besoin pour venir en terre étrangère, qui n'est pas toujours du tout facile, mais quand même, et je pense que nous tous qui là, nous là pour nous capables de parler dans nos peuples qui n'ont pas une voix. Et c'est nous-mêmes qui sommes là pour nous capables de représenter pour eux. Et nous espérons que allier nous, comme le révérend Al Sharpton, par exemple, qui vient pour venir là le 30, il est capable de venir pour camper ensemble avec nous, de conseiller avec Guerline Joseph, tout, qui a fait un superbe travail du côté du Congrès américain. Faut nous tout bail, support et apport pour le rassemblement qui va le faire là avec le révérend Al Sharpton. Le 30, non seulement Sharpton a mais délégation New York là, qui représente l'État de New York dans Washington DC, c'est au tout cap là. Raison, c'est parce que nous tous connaissons, par une force multinationale entrée en Haïti. Après force la finale, nous allons retourner dans le même lobby là. Révérend Sharpton a déjà une plateforme, tout le monde connaît qui est Sharpton, il y a le monde, il attend. C'est dans ce sens sa présence là, pour nous faire connaître que non seulement force là pour l'entrée, après force là, nous avons besoin de l'armée d'Haïti pour l'administration Biden encadrer, supporter l'armée d'Haïti lorsque force là aller pour Haïti par retourner dans le même lobby que nous vivons dans le moment que nous avons parlé là. C'est donc dans l'événement de prière, vigile et rallye que la communauté haïtienne a invité, jeudi 30 mai ça, avec participation révérend Al Sharpton et plusieurs leaders religieux et politiques dans la communauté haïtienne à New York. Là. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, n'a quitté New York et n'a rentré ici aux États, n'a rentré ici Washington côté que président Kenya William Ruto trouvé dans d'ici pour yon virer aux États-Unis dans moment Kenya apparaît tant que nous attendons là pour prendre tête yon mission multinationale dans pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe depuis la Maison Blanche. Jean-Robert. Merci Jacqueline, j'en dis à moi dans la Maison Blanche, côté président Joe Biden avec le président américain Jill Biden, à part que président Kenya et William Ruto ensemble avec le président Kenya, c'est dans le cadre d'une visite d'État qu'il a fait aux États-Unis, déjà couple là, déjà aux États-Unis depuis quelques jours, mais c'est mercredi 22 mai, il est arrivé dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC, et c'est le président américain Dr. Jill Biden qui t'a accueilli dans Andrews Air Force Base dans l'État Maryland. Et d'abord son visite d'État, et visite à l'Ivle Dia, il y a toute importance pour le président kenyan, surtout parce que ce n'est pas facile pour un président américain accueillir un président
africain pour une visite d'État dans Washington. Et président Biden, ensemble avec président Ruto, il a une rencontre qu'il a fait avec chef d'entreprise américain, très certainement avec délégation Kenya, qui normalement est chef d'entreprise Kenya dans le monde, dans le cadre des démarches qu'il a fait pour jouer un nouveau marché pour produits Kenya et chercher l'autre débouché tout. C'est donc président Kenya lui-même, il a pour lui d'abord vendre. 20 pays avec chef d'entreprise américain. Ensuite, il y a un dossier Haïti, en plus de relations bilatérales entre Kenya avec les États-Unis. Le dossier Haïti a dans son débat, nous connaissons que les États-Unis étaient battus bravo, les Kenya étaient acceptés pour l'été prendre tête une force multinationale qui n'a pas garanti la sécurité ou bien pour accompagner la police nationale là, pour garantir la sécurité dans le pays et permettre le déroulement d'élections. Donc, les États-Unis étaient salués et force à eux. Donc, c'est une rencontre ça qui a fait. Et c'est va jeudi, avant un dîner d'État que les États-Unis ont organisé pour accueillir le coup présidentiel Kenya. Voilà, c'était le début de la Maison Blanche. Moi, c'est Jean-Aubert Philippe pour VOA Creole, Washington DC. Merci Jean-Aubert Philippe depuis la Maison Blanche. Et tant que Jean-Aubert s'est expliqué, la visite d'État, ça, il y a un symbole, il y a une signification, il y a un paquet d'autres éléments qui entourent elle. Mais Jean-Aubert Philippe a retourné pour le dire nous. Qui ça la Maison Blanche même dit pour qui ça que yo fait choix de leader William Ruto pour faire visite d'État ça. La Maison Blanche bah trois raisons qui fait lui inviter président kényan William Ruto dans une visite d'État dans Washington DC après 16 ans côté aucun leader africain pas fait une visite comme ça sous territoire américain. Parmi raison yo gen conviction démocratique de gouvernement yo partagé dans approche yo pour aider secteur privé à satisfaire objectif gouvernement. D'après Frances Brown, directrice affaires africaines dans le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, ces décisions qu'elle a prises ça va bien longtemps là pour accepter prendre une mission sécurité en Haïti avec participation 1000 policiers kenyans responsables là qui va avoir la première interview li depuis li occupé poste là dit We chose Kenya for a few reasons. Number one is the Kenya-US partnership has really grown. Nous choisi Kenya pour quelques raisons. Numéro un, partenariat Kenya-États-Unis a grandi, soutenant un partenariat régional pour arriver dans un partenariat mondial. Nous vraiment satisfaits pour façon Kenya agit pour jouer un rôle leadership plus loin que région africaine. It is the highest diplomatic honor that our president can bestow. Cameron Hudson, un responsable programme africain. Qui est dans le centre stratégique en International Studies qui a préféré la visite d'État président William Ruto a parlé pour dire c'est un gros honneur diplomatique président noir capable de recevoir. Responsable a poussé pour dire c'est indicateur une relation bilatérale importante entre deux pays. Comme ça, mettez Kenya dans un niveau en dit tant qu'au Japon, qui est le dernier pays qui a fait une visite d'État aux États-Unis, moi, quoi, geste là, il est symbolique. Le fait que Kenya recevoir même privilège avec ancien partenaire sécurité. Sur question Haïti, Madame Frances Brown dit administration américaine a approuvé un fonds $300 million pour supporter mission. Tant qu'on est capable au courant, nous gagnons plusieurs mois depuis n'a planifié à Kyo grâce à support expert étranger pour développer un système opération. Bref, on dit Kenya pas la guerre pour contre lui dans mission si là. L'administration américaine fait qu'on est, il a profité de visite chef d'État kényan aux États-Unis pour signer aussi des accords dans le domaine technologie, gestion climat, soulagement dette avec santé. Le président kényan William Ruto Bokodepal a ajouté, l'a profité de présence li dans Washington pour lui discuter dossier dette en pile pays africain, même genre avec pays le Kenya, et puis chercher un ajustement dans objectif financier international. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, vous sauvez VOA Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être branché. Merci d'être branché. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Actualité à peine dans la région Moyen-Orient, côté des pays tant qu'Irlande, Norvège, l'Espagne. Eh bien, il y a même annoncé que chaque qui a pour reconnaître Palestine comme un État, toujours dans le cadre d'une solution pour gagner deux États, existence deux États dans la région Moyen-Orient, en parlant de Palestine avec Israël, Sandra Lemaire.
Norvège, Irlande et Espagne disent qu'ils vont reconnaître un État palestinien. Annonce que vous pourrez le faire officiellement 28 mai, t'es faite une après l'autre, en commençant par Norvège, qui t'a aidé à négocier l'accord de la paix Oslo dans l'année 1990. Jonas Gahr Støre, c'est premier ministre là. Regeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Je dis pas qu'à gagner la paix dans le Moyen-Orient si pas gagner reconnaissance. Il y a une intention mettre à niveau bureau représentatif dans Cisjordanie pour faire tourner une ambassade. Premier ministre irlandais Simon Harris dit l'autre pays capable de décider pour te coller à Kyo. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. Monsieur décrit journée aujourd'hui à ta pour une journée historique et importante pour Irlande et Palestine. Premier ministre espagnol là, Pedro Sanchez lui-même, annoncé décision pays devant Parlement. El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Sanchez précise reconnaissance ça pas contre personne et pas contre peuple israélien. C'est une action en faveur de la paix, justice et cohérence morale. Annonce historique mais largement symbolique là a approfondi plus isolement Israël. Plus passé 7 mois après l'été termine la guerre contre Hamas dans Gaza. Julie Norman, c'est un professeur adjoint politique à relations internationales dans l'université UCL, University College London. I do think these states' decision regarding statehood. Et dis-moi quoi, décision pays ça y est vis-à-vis État palestinien, décision Coup pénal international là et même l'ONU, ça gagne quelques semaines de ça, indiquer qui Jean Moulin a pensé peut-être pas repousser, mais créer un équilibre entre ça qui représentait influence puissante États-Unis pendant le conflit, accent au pilonnoué comme trajectoire pour Palestine. Israël t'a dénoncé décision mercredi tout de suite et puis rappelé ambassadeur ligayen dans 3 pays Sayo. Premier ministre PIA, c'est Benjamin Netanyahu. Assaut la tête Medina. Si intention pays européen Sayo pour reconnaître l'État palestinien égale une récompense pour terroristes. 80% palestiniens en Judée et Samarie appuyaient massacre terrible 7 octobre là. Malheur, ça n'a pas mérité au pays. Palestiniens eux-mêmes battent bravo pour annoncer comme une confirmation lutte qui a mené depuis plusieurs dizaines d'années pour créer un État dans Est Jérusalem, Cisjordanie et Ban Gaza. Historic day, which comes at the darkest hour of our history. We thank those countries for taking this principled position. Israël t'a saisi territoire Sayo dans la guerre Moyen-Orient en 1967 et l'y contrôlait toujours. États-Unis t'a servi avec pouvoir veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution qui t'a visé quitter Palestine ville membre Nations Unies. Ça n'a pas gagné longtemps. Ambassadeur américain dit faut que ça fait après négociation la paix israélo-palestinien joint le résultat. Tandis que gagne 140 pays qui reconnaît étape. Cascade annonce reconnaissance, tu es capable de créer un momentum dans une époque côté, même alliés proches Israël, pas suspendre critique pour comportement dans Gaza. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Pendant ce temps, eh ben, et Israël continue à pilonner Gaza dans le cadre de guerre Israël-Hamas. Et puis l'autre point dans l'actualité, la peine nous dans le pays Iran, côté et leader suprême nan, Ali Khamenei, eh ben, prié sous cercueil défunt président pays Ibrahim Raisi, ak cercueil ministre affaires étrangères, ak l'autre autorité qui mourit dans un accident hélicoptère dimanche qui se passait là.
Après ça, des centaines de milliers de monde te suivent mercredi yon possession pour honorer défunt yo sous principal boulevard Téhéran. Nous capable là et Ali, leader suprême et Iran. Et même, il était paraître clair que service funéraire président Ibrahim Raisi ak lot yo t'a attiré une foule plus petite comparé à la cérémonie qui te faite en 2020 pour honorer général garde révolutionnaire que États-Unis t'a éliminé avec une attaque drone dans Bagdad. En pile monde qui t'a gardé possession dit que yo t'a vinn Téhéran sorti dans l'autre ville Akbouk dans pays. Et puis, fond dit tout que gagne un chef et Hamas là, en parlant de Ismaël Haniyeh, qui était présent tout dans et prière mercredi, deux jours après que Cour pénale internationale te mette un mandat arrêt derrière lui-même, avec l'autre responsable israélien pour ça, t'as dit qu'il c'est un crime contre l'humanité. Raisi te gagne présidence là, dans la dernière élection, avec une participation qui était très faible en pile. Donc, c'est un leader qui pat totalement populaire dans le pays Iran. Comme ça, tout gagne l'autre secteur dans la vie nationale dans le pays Iran qui yon même bat bravo pour la mort président. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous allons parler élection dans le pays Mexique. Espoir, doute, pendant que le pays a préparé pour et possibilité pour gagner une première femme comme président dans l'élection qui a gagné pour dérouler 2 juin Capvin là. Détail avec Gentil Augustin Junior. Pour première fois dans l'histoire, le Mexique sous route pour une femme dirigée. Avec des candidats femmes qui ont mené dans le sondage pour remporter l'élection de juin 2024, là, ça qui provoque espoir et doute dans le mi-temps mexicain. Femme pral gen plus opportunité parce que yon femme pral dirige nou. Ki jan gouvernement fait konnen sa femme vle, si moun kap dirige nou yo se garçon. Claudia Sheinbaum, qui gen 61 l'année, candidat parti pouvoir Morena, ak Xochitl Galvez, 61 l'année, c'est candidat coalition opposition ouan, c'est favori yo. Sarah Lovera, yon journaliste spécialisée dans affaires femmes et militante féministe, averti que arrivé yon femme sous pouvoir, pa vle di renverser tout mal qui tracasse femmes mexicains yo. Malgré que li considéré arrivé yon femme sous pouvoir comme yon étape importante. Es inédito, pudiera parecer sans aucun précédent. Et puis, ça a semblé étrange et étonnant pour nous. Dans un pays mature, côté yo touye 20 femmes chaque jour, dans ce sens, ça, c'est un test excellent pour la société mexicaine reconnaître que une femme ka chef l'État. D'après Onifam, en moyenne, yo touye 10 femmes chaque jour dans Mexique. Dans Jalisco, dans l'Ouest Mexique, Yolanda González, kap cherche petite fille, petite li, ak bo fille qui disparaît depuis 2019, prochain président femme nan a représenté espoir pour joindre moun li renmen yo. Moi pense que ka gen yon changement nan politique la sou moun ki disparaît yo, le gen yon président femme parce que yo se maman. Et puis yo konnen ki sa vle di perdi yon ti moun, soit nan la mort ou soit disparition. Marcelina Cortez, yon résident local, content en pile parce que yon femme ka président Mexique. Moi très content parce que yon femme pral président Mexique. Très content. Amnesty International estime que plus passé 114 000 moun te disparaît Mexique entre 1962 et 2023. Disparition yo, c'est si tout résultat violence cartel drogue yo. En pile moun yo assassiné et puis enterré yo dans caveau clandestin. Cependant, autorité yo gen quelques indications sous côté yo ta enterré. Et puis, yo pa gen assez ressources pour continuer recherche yo. Si Porte Garves ak Sheinbaum yo, des candidats femmes pour élection de juin 2024 kap vini la nan Mexique, excité pour gagner yon président femme. Yo wè sa comme yon geste qui ka améliorer et renforcer droit femme nan pays ya. Nan moment élection yo approche, gen plus attente pour yon changement possible dans leadership ak yon changement nan droit ak sécurité femme nan Mexique. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis, dernière inondation qui t'a frappé pays Brésil, qui a un impact sur la communauté haïtienne qui vit l'autre bois. Correspondant nous, Jessly, Chesli et Jean-Baptiste, t'a parlé avec l'ambassadeur Brésil, dans l'ambassadeur pays d'Haïti, plutôt, dans Brésil. Chesli.
Environ 1000 Haïtiens trouvés en abri provisoire descend à le réfugié au Kaizami à cause inondation qui passait dans Rio Grande do Sul. Ces déclarations, ambassadeur Haïti dans pays Brésil là, Rachel Coupeau, dans une interview avec VOA Creole. Diplomate l'a fait connaître, des démarches qui sont en fait, bon côté autorité concernée en faveur Haïtiens qui trouvaient yo en difficulté. On va commencer par présenter cette partie nous à toutes victimes de communauté haïtienne de intempérie et bien sûr brésilien autour. Moyen nous très limité, nous pas qu'à intervenir en place gouvernement brésilien qui déjà a organisé, mais il est important pour nous pour que nous manifester nous auprès du gouvernement et autorités brésiliennes. En premier temps, et aussi par rapport à la population haïtienne qui vit dans l'État. Par rapport à don immédiat, tout staff ambassade là, que c'est gardien, que c'est chauffeur, que c'est agent consulaire, que c'est tout le monde, nous contribuons. Et nous t'es porté, ça nous t'es rassemblé à dans le secrétaire d'État aux affaires internationales et district fédéral là pour distribution et dans zone qui est affectée. Parce que j'aimerais dire que sur logistique là, nous-mêmes nous pas arriver, même si nous t'évoluer faire bah, arriver, nous obligé passer par et autorité. Nous dans Brésilien a essayé faire tout ça nous capable, non seulement pour nous mobiliser et ressources locales, yo, autorités locales, yo, mais nous déjà parler de problème ça, nous lever en Haïti tout avec autorité yo, pour écouter gouvernement haïtien dans mesure que le capable font une contribution tout. Ne serait-ce que par rapport à la constitution de dossiers, de papiers, de messieurs et dames qui perdus, nous pouvons imaginer tout bagage, y compris les papiers. Ambassade a annoncé, équipe ambassade là, a bien pour visiter communauté haïtienne là, particulièrement catégorie qui est dans situation difficile suite à gros la pli qui tombait sur Rio Grande do Sul pour assistance nécessaire. Nous avons rencontré avec l'équipe. Commission et équipe ambassade là et nous tous nous décider que le NAP déplacé nous souhaitait déplacer avec bonne nouvelle pour population pas seulement pour ça qui était et prend rendez-vous déjà parce que il y a à peu près 600 monde qui était prend rendez-vous mais pour ça qui est déjà qui souffrit qu'on de intempérie ça yo. Et pour ça nous rentrer en contact avec deux associations haïtiennes qui étaient dans l'État Rio Grande do Sul. Et nous commencer de pour parler des échanges avec eux pour nous comprendre exactement comment il y a débrouillé sur le terrain et comment nous ca aider éventuellement. Des monde qui déjà reprend espoir par rapport au niveau de l'eau qui commençait baisser dans quelques zones. En pile dans yo déjà retourné pour nettoyer caillou. Cependant, il y a une majorité qui toujours gain gros qui est sauté par rapport à une série quartier qui toujours en bas de l'eau. Chesley Jean-Baptiste pour VOA Créole. Merci Chesley Jean-Baptiste et na pays d'Haïti nouvelle fait connait que ben conseil présidentiel transition lui-même lui saluer réélection président Luis Abinader donc on est Luis Abinader il était remporté élection qui fait que le pral gon l'autre mandat 4 ans et gain 2 points dans campagne c'était d'abord et plan économique et puis fermeté le gain par rapport à situation dans pays d'Haïti. Et puis jodi a tout, jodi a ou bien demain, t'as supposé gagner yon note qui sorti sous paquet moun qui peut déposer pièce pour Kevin Tounen, premier ministre dans pays d'Haïti, chiffre là. Ou, mais y a kembe 15 là dedans yo avant que finalement yon font choix définitif pour capable gagner premier, un nouveau premier ministre dans pays d'Haïti. Et puis l'autre point encore dans l'actualité concernant pays d'Haïti, c'est gang yo qui pas suspend si mais l'intérêt et non seulement il y a chassé population civile là tout, mais il y a crasé un paquet infrastructure police nationale là et nous te gon reportage sur ça avec correspondant nous Renan Toussaint et mais dans la veille ça veut dire hier, te gagné un gros rencontre qui t'est faite entre Conseil présidentiel transition avec haut état-major police nationale là par rapport à situation sécurité à dans pays d'Haïti et pendant ce temps eh ben Haïti lui-même l'a tonne arrivé 200 et un groupe 200 policiers pays Kenya dans moment que président William Ruto avec première dame là eh ben trouvé dans Washington côté que il a rencontré avec président Joe Biden noté gain Jean-Robert Philippe qui était depuis la Maison Blanche té banou un flash demain encore n'a gain Jean-Robert Philippe encore cap gain pour aller encore la Maison Blanche c'est envoyé spécial nous dans occasion visite d'état
président Kenya William Ruto. Mes amis, c'est là nous mettons fin à notre programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Chef pupitre là, c'était Jean-Marc Hervé Abella. Et bien, le gendel là, en tout, qui c'est gentil Augustin Junior. Et puis, merci tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain. Rapport groupe expert Nations Unies produit et qui dit que c'est Martelly qui créé Andy base 257. Je dis ça. Est-ce que Martelly a dit que ça dit de que ce groupe gang ça que rapport expert Nations Unies a dit que le créé? En pile bandit commence beau paniquer les que y attendait et c'est tout bon vrai que mission a arrivé dans pays. Et il a dit que le dit meilleur chef mission kenyan déjà en Haïti et que plusieurs officiers qui déjà accompagnent et yo pral garder comment que pral élaborer comment que pral étudier plan pour question matkake bandion dans pays et conseil sécurité alors conseil présidentiel n'apprend que li réaliser un travail avec commandement la police tan. Et c'est la police qui pral gestan relé chaîne commande opération intervention que mission pral accompagner la police nan bataille contre question bandi armé dans pays. Je dis en plus mon a dit que est-ce que c'est pas bon moment belle occasion pour que mouvement bois calé que retourner même chose que je dis mon nan bi balai yo même yo lancer bois calé et gè trois présumé bandi un jeune garçon avec deux jeunes femmes qui jeune bois calé nan mi balai. Et jeune garçon ça qui avoue que li touye cinq policiers et participe nan krasé nan mete tifé nan commissariat bon repos. Je dis est-ce que peuple haïtien paré pour que li collabore avec la police, l'armée et mission nan bataille contre question insécurité et gouvernement qui là et conseil présidentiel qui là li déjà paré pour dire que li pral décaisser 1 milliard de goudes pour que yo capable venir avec San Relé projet assainissement en dans pays. Désir comment est-ce frère parce que on nous charge cola pour l'œil et ça gagne comme information pour côté bon. Blessitation nous content rejoindre nous ami tant fois pour venir parler vérité à zami internet qui branché tout partout après-midi hier qui saute passé à blessitation situation était compliquée pour mon yo qui dans l'île la voix côté net exam t'a fait cartouche chanter dans zone si là qui te permettre que mon yo t'a lancé SOS avec la police. Incompétent France LB en tête la police a montré pas rien de sérieux qui a privé fait tout bon vrai parce que c'est moment pour payer ta changer de camp. Malheureusement c'est population civile qui toujours en crainte qui toujours en peur qui toujours a couru pour bandits sans foi ni loi qui continuer à imposer le royaume dans niveau capital pays. Conseil présidentiel là commencé à petit jouet Ariel Henry yo voyez condoléances yo by pep iranien qui gagne président yo qui mouri dans un crash hélicoptère. Cependant monak mouri tout partout en dans pays a en bas coup zam bandi conseil présidentiel là yo beaucoup pointé droit yo pour yo faire rien dans cassable situation yo plus ap goumen pour pouvoir jodi un plus gros discussion qui gagne dans centre là c'est monsieur Damio qui dans conseil présidentiel là cap entendre qui est-ce qu'a levé mayor là qui est-ce qu'a mettre comme premier ministre qui pouvait négocier direction générale avec l'autre ministère dans le gouvernement pour continuer à faire l'argent. Ils ont fait 90 millions de babé moustache, dans le drapeau, dans l'assainissement, ils ont préparé pour faire 1 milliard de gouttes. Dans la corruption, parce que pourtant des petits projets sociaux, c'est corruption qui peut arriver fait dans ça qui vient pour eux avec question de petits projets, si là, ou bien personne. Et vous avez assainissement, vous mettez quoi? C'est bagage volant, c'est bagage assassin, c'est bagage que vous n'avez pas qu'à vérifier. On s'est mis qui dit comme ça, et nous ne connaissons pas Gary Bluffis, papa, les gens n'ont pas l'air. C'est comme d'indiquer, c'est avec Gary Bluffis, non? Avec Gary Bluffis, est-ce que la machine que vous achetez, est-ce que vous rapport sur la machine que vous achetez? Quand vous avez l'argent pour acheter la machine, vous achetez 9 machines blindées pour 9 conseillers, sans compter l'autre machine qui prend le cortège. Et songez que vous avez dit, dans l'accord politique, vous n'avez pas besoin de prendre. Vous n'avez pas prendre une décision qui va changer la vie. Mais toute décision, c'est en faveur du peuple qui vous avez prendre. Nous, c'est avec Edgar Leblanc-Fils que nous avons fait. Pour qu'il y ait 90 millions de goudes débloqués pour faire drapeau pendant ce pas à Kaye. Edgar Leblanc-Fils tombé par ces mouns dans Tintin, par ces mouns dans Bêtise, dit par les territoires perdus. Mais jusqu'à présent, tout près par les nationales, nous avons couru en bas de balle.
tout près palais national, l'hôpital général fermé, le bac a fonctionné. Mm-hmm. Tout près palais national, hein? Cour supérieure des comptes, après se voir menace, coup de balle, bandit à piller, pas un territoire perdu. Dans le département de la Tibonite, SOS a lancé. Prétendu bandit, menacé pour y aller craser, palais aux 365 potes, selon Betty Douras. C'est l'information qui fait quoi qu'elle gagne. Et puis, pas un territoire perdu. Nous, dans le département de la Tibonite, TV Voyo, ils ont demandé avec France LB, gagner qu'elle mettait dans le département de la Tibonite, lui parle écrasé, le matériel qui vient, depuis les matériels déplacés qui étaient à Tamak, aéroport international de Saint-Louverture, ils étaient de ouais. Dans le descente, ils ont défilé pour devenir dans la Tibonite, pour devenir par Bandi Bas Gangrifio, mon impression. Malheureusement, ce n'est pas ça qui a fait les personnes. Ouais, tout problème qui existait dans le pays, qui est lié avec la question insécurité, monde qui est là, qui pour combattre, ok, créateur insécurité, ils n'ont pas fait. Yo ignorel, c'est parce que yo gen avantage là-dedans. Spécialement, yo commandement, la police, là, aller dans CSPN, yo tout, yo font seul. Premier ministre, président, yo tout, yo te là-dedans. Député, sénateur, yo tout, yo te là-dedans. C'est ça que fait, c'est même yo même là, qui a arrangé yo, pour yo refaire surface encore. Pour yo venir prendre pouvoir encore. Pour yo venir continuer sous ce. Pendant peuple là, la courir, ou bon peuple, les personnes, yo disent, qui réfugient dans le pays, lui. Dernier groupe monde qui saute courir là, c'est dans Grèce, lui. 4000 moun kouri kite la kayo. C'est OIM, PAM, c'est ou même Kaptaï Banda. Parce qu'il y a jeune baye de fond qui vous pote l'argent, bayo. Des situations matérielles, pas suspendre, descendre sur Tamak Aéroport, international, tout ça, l'ouverture dans Port-au-Prince, c'est dans quatre missions. C'est ça que moun yo attend. Bandi commence à courir, y a pris un bois calé. Département de ce pays, moun yo dit là, c'est cimetière. La police a arrêté, y a pris rentré dans le commissariat, y a pris. Gen yon coupe, des femmes qui tapent. Entend yo, yo vive ta kou fama garçon, eh ben, yo te nan gang tout, eh ben, moun mi ba le kwaza ave yo, yo ba yo, sa yo mérite, les personnes. Sa konte on l'autre jeune garçon, qui te fait partie, groupe criminel, chien méchant. Vous songez chien méchant? C'était yo agent social, qui pat nan gang, qui tap goume kon gang. Nan dernier moment, li gon le mak monte li, li gon tantak monte li, li entre dans vivre ensemble, nan kase tout si business ke moun yo gen en plein nan. Eh ben, gen qui commence à chaper pour lui. Population filet manchette yo. Population bayo, Boakale, les personnes, opération Boakale a lancé tout côté dans le pays. La police doit prendre responsabilité pour accompagner la population. Surtout, yo t'a pris des matériels yo bagain, yo gen matériel. Diaspora doit commencer ouais espoir pour retourner la caillou les personnes. Desi Benes, moi c'est que nous gagnons ensemble depuis qu'on va faire débat sur jeudi hein, dans émission Cal pour vérité. Et là mon des amis yo, on nous like émission ça. On partager. En quitte un commentaire, et si nous à peine tombé sur média ça yo, qui c'est mes sap nouvelles, Blaise Info, Racine Nouvelle, Haïti, Point Nouvelle, et votre Calbas Info, abonnez avec média ça yo. Et nous prenons pas les causes pays, nous prenons analyser ensemble de points ça yo. La commencer avec question insécurité. Moi toujours dis que insécurité n'est là, lycée ou insécurité généralisée. Parce que tout secteur, toute couche, toute bagaille a frappé par insécurité ça. À moins que bandi armé yo, criminel nou trois sa yo, terroriste yo, qui a réjoui de ça y a posé comme action. À moins que moun ki nan même association avec yo, que léo a fait action sa yo, qui réjoui et qui kore et qui apprécie, qui applaudit sa affaire. Mais majorité peuple haïtien je dis hein yo pa kwè que yo senti yo à l'aise yo senti y a vive nan question insécurité qui est dans pays m'pa kwè ça vraiment pa kwè ça et si ou moun kounya ou vle montre que question insécurité hein ou pas pour que le résoudre. Laisse m'a essayer comprendre la caillou ou c'est une traite ou c'est un conse ou c'est ma patride. Et ou montrer soi-disant que ou t'as un nationaliste mais ou sont faux nationalistes. Parce que insécurité hein ou même qu'a garder m là ou plein de li la caillou ou plein de li notre travail côté ou qui chasse aller ou plein de li dans zone côté parce que je dis hein en pile zone en dans pays jodi en surtout dans capitale haïtienne c'est gros barrière que moun yo monté et barrière montré
gen lè pou l'mout, gen lè pou l'fermer, gen lè pou l'ouvrir. Et c'est au moyen que moun yo utilisé pour que yo pas tomber en bas action bandi yo. Mon clair, avenue N, avenue Poupard et zone Nanère et Petionville, comme cité zone ça au quel côté que moun est. Mais est-ce que on ka fait toute vie nous à mettre barrière pour sécuriser zone là? Je pas oublier. Sécuriser zone là pas rien. Faut pas ta chambre sorti. Faut que toute sorte a besoin comme service yo, t'es tout gain en dans zone autorité ou mettez barrière. Mais oui. Elle dit faut t'es tout gain toute sorte besoin comme service que tout gain en dans zone autorité hein et ou pas t'a sorti. Mais le fait que ou a sorti c'est que barrière qu'on mettez dans zone là, li vinn pas représenter rien pour moi-même. Parce que li sécurise pendant dormi dans zone là, mais elle est sorti. Et ça fait kounya gè intérêt pour que sécurité établi dans tout pays hein. Et ça me le comprendre. Gè intérêt gè obligation pour que sécurité établi dans tout pays hein. Mais qu'il y a ou même comme citoyen qui dit à tout que ou pas faire citoyenneté pour gang. Ou pas appuyer gang. Ou pas maman gang. Ou pas frère ses cousins cousine gang. Ou pas petit gang. Mais c'est moment tout pour que ou bataille contre question insécurité à tout. C'est moment pour bataille pour permettre que sécurité capable d'établir dans le pays. Parce que sinon, ou même qui jodi a fait silence ou même qui jodi a rentré dans tolérance ou pral payer ça puis devant. J'ai déjà commencé payer. Et ça fait toujours dit que insécurité hein, c'est toute une machine. Et ou elle me dit une machine, ça veut dire dans machine nan tellement qui pièce la donne et chaque pièce est important. Appelle important pour nous identifier toute pièce qui en dans machine nan, en dans machine insécurité hein. Toute pièce qui en dans réseau insécurité hein pour que nous identifier yo et une fois qu'on fin identifier yo, mais nous que pour agir contre yo. On clair sur ça. Une fois que nous fin identifier pièce ça yo élément ça yo qui c'est de élément nuisible élément important dans question insécurité qui en dans pays mais les ça n'a besoin pour nous capable hein n'a besoin pour nous capable éliminer yo n'a besoin pour nous capable détruire yo même je qui a détruit nous toujours dire en sérieux l'embarré de mentir avec ce qui est souillé. C'est de l'ancien président qui est ancien premier ministre qui est ancien ministre qui c'est de l'ancien directeur général de la police qui c'est de gardien de la police qui c'est de directeur général qui c'est de moun en la paix qui est mais tout le monde ça fait pas. C'est oligarque corrompu. Oubliez ancien sénateur, ancien député. C'est de moun qui jetien, qui finance. Qui paye moyen avec question jeune garçon en ghetto pour que je dis yo vin niveau bandit que oui. Qui fait que je dis l'aime toujours dit que insécurité pas seulement les qui gens amis. Yo c'est fusible. Yo devant scène, c'est normal je dis mais fusible n'a pas le sauter. Mais faut regarder toute boîte safety switch là qui est courant et qui emmagasine courant et qui distribue courant en dedans caille là. Son réseau que lié. Et tout élément de réseau, tout élément de secteur ça, que nous pouvons identifier, yo, que nous pouvons identifier, yo, nous pouvons profiter de la monnaie pièce. Yo. Et nous pouvons monnaie pièce yo parce que nous compte qui est dans la misère de la vie là. Nous compte qui est dans la calamité de la vie là. Nous compte qui est dans la souffrance de la vie là. L'emmenant de New York Times fait article ça sous Matéli. Il va étonner. M'a dit que li c'est vérité. Chef de bandes illégales. Selon ça. Bon, c'est jusqu'à présent parce que parler de bandes illégales dans le pays ou faire face avec Matéli. Blaise, est-ce qu'on oublie, et c'est sous Michel Joseph Matéli, il a dit qu'on quantité Galil qui était perdu dans le niveau palais national. En pile dans Galil, ça y est, dans l'opération que la police menait, il a joué là-dedans et dans le bandit. Et encore plus de ça, tu as une question Zam qui était perdu dans le douane Saint-Marc là, tu oublié. Gosson Aurelius qui était déchiré la police sur Matéli à l'époque, Matéli bien la mort. Je n'ai pas prison.
L'osam qui a été joué. Exactement. L'osam qui a été joué dans pour Semak. Bagay sam nan douane Semak. M'cho je bagay sam. Tout c'est ce matériel et tout. Le que sam sa. Et même après que Godson Oris pas déchir la police encore, m'cho te arrêté. M'cho te plus 7 ans en prison. Ça veut dire. Et puis, m'cho bagay tout, je dis. Je dis, m'cho bagay diaspora haïtien. A fait question matériel a démenti. M'a pas besoin qu'on ait si. Si comme si la mande amnistie pour bandi a me yo. Ma bezo konen. Mais pas étonné. Mais tande Blaise. Il va étonné. Matel est toujours contrôlé qui au niveau en tant pays a. Josiette Pierre lui, c'est PHTK, toujours secrétaire général dans le palais national lui. Ou pas ouais conseil présidentiel là. Yo pas comment était Josiette Pierre lui. Qui dans le niveau palais national. C'est plus gros décision. Que conseil présidentiel là t'a de prendre. Retirer un homme tant que Josiette Pierre lui comme secrétaire général palais national. Ouais au Kembil. Il n'y a pas qu'à retirer le conseil des ministres fait autour de ça. Il y a qui pourrait retirer Josiah Pierre-Louis. Il y a qui dit non, Josiah Pierre-Louis, pas qu'à.